Après président Colombia te fin annoncé la débarquer dans pays d'Haïti pour rencontrer ensemble avec gouvernement pour comment yo capable de mettre sécurité dans pays d'Haïti. Colombien yo qui a environ 20 mois depuis yo en prison à cause participation dans assassinat président Jovenel Moïse écrit président Colombia pour dire comme ça dans plat yo a manger c'est là-dedans yo a fait besoin yo. Rete là. Nous prenons le bon plus de détails. Président Salvador a frappé encore. Fois ça, il prend l'homme pour les frères et sœurs bien-aimés. Elle arrivait saisi 1,2 tonnes de cocaïne qui évaluait à 30 millions de dollars et s'entendait les saccager président Colombia. Nous prenons le bas au détail. La justice dans le pays d'Haïti arrivait à mettre en bas code. Monsieur Clairvillus Harry qui devine organiser un troisième mariage ensemble avec Madame Nikise Mayette dans la ville Saint-Marc. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, Gay pasteur Massen qui en bas code tout pour bail explication. Monsieur Clairvillus t'est marié déjà et li gen deux petites, li pas jamais occupé. Li rentre Miami, il marié ensemble avec une autre femme et s'entendé ya, li retourné pour le venir marier ensemble avec une troisième femme. Et bien première femme n'a débarqué frères et sœurs bien-aimés, mariage bloqué, la police, la justice débarqué s'entendé ya, yo mette monsieur en bas code. Nous pral présenter une image dans les chaises. La police nan Nip fait gros coup de filet. 9 bandits arrivés en bas corde. Mon invité ou rale chez ou chita confortablement. Fou ko zami, il faut pas ou rentrer la caille ou se yon plaisir. Tout tripotaï sa ou nan bon timamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tombez sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami Pao Foucault. Nous t'ai quelque chose présenté ou yon petit compte aye. Eh bien, compte ça qui c'était depuis ou pilem ou bouete. Mais si à chaque fanatique qui te commenté, réponse là c'est poupou. En parti cri crack pour nouveau compte nous gagner. Zeb sous roche glacis. Zeb sous roche glacis. Pas hésiter à quitter élément de réponse par là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker. Partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Situation dégénérée pour Colombien qui n'a pénitentiaire national dans le pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le jour passé, le président Colombia a annoncé pour faire un coup de pied dans le pays d'Haïti pour venir aider le gouvernement, mettre sécurité, puisque il sentit le pays là coupable de sa haïtien à vivre journée aujourd'hui. Soldat qui était rentré avec le président pour aller tout yel, c'est soldat Colombien. Donc, il sentit que le pays là coupable de sa haïti. Si ap konnen pendant dernier moment yo la pour le pardonner tête li pour pays a pardonner devant Haïti, donc la mette ensemble avec gouvernement qui là pour comment yo capable mettre sécurité en dedans pays. Et bien frères et sœurs bien-aimés, après déclaration ça, Colombien yo qui nan pénitencier national écrit yon lettre voye bay président Colombia. Et bien dans lettre ça, yo fait président konnen, monsieur président, tendez-nous bien. Mon cher, nous besoin yon procès équitable. Pas barricite, nan assiette nous manger, c'est la dalle nous poupou tout. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, depuis 7 juillet 2021, 17 ex-militaires colombiens qui accusaient dans l'assassinat président Jovenel Moïse, depuis le ça, eh bien, yon en prison jusqu'à présent, yon poko capable, j'entende yon. Donc, des fois, entende juge qui sous dossier a dit comme ça, li besoin traducteur. Le ou jwenn tradikteur, pa gen juge, bon, en fait, bagay yon ti jan komplike. Le gen tradikteur a juge, pa gen gaz, mesye sa yo, yon nan penitansye nasyonal, yon poukou kapab jan prezante. Et ou kapab rappele ou nan jou passe yo, eh bien, FBI debake ale ensemble avec 4 neg ki te nan penitansye.
Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, famille prisonnier ont mandé ensemble avec le gouvernement colombien pour yon servir de médiateur pour yon capable de joindre un traitement dit et un procès qui est équitable. Et monsieur Sayo qui en prison cap souffri dans Port-au-Prince selon yon article Noticias RCN Metedeo. Eh bien frères et sœurs bien-aimés, président Colombia recevoir en pile lettre ensemble avec diverses images des 17 mercenaires qui en dedans pénitencier national et selon image yo, eh bien frères et sœurs bien-aimés, Noticias fait qu'on est conditions sanitaires dans cellule yo mes amis bagay la on ti jan tête chargée et 17 mercenaires yo rapporté. Yo prend diverses maladies, tant que choléra, tuberculose, yo pas ka joine manger et non seulement ça tout, yo pas capable joine soins santé. Et gen l'autre image qui montrait que nan vase que monsieur yo a manger et mais là au fin manger frères et sœurs bien-aimés, c'est là-dedans yo obligé mettre ti ça yo a mettre ya pour y aller vider un côté. Si c'est comme ça ba il a fait pour les colombiens, m'a besoin d'où pour les haïtiens, ça veut dire mais pour quoi, mais où, mais quand on a dormi c'est piout 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 et puis là une fin piout 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 et puis pour ramasser, ça veut dire ou cap sorti là ou bi wal rendre visite et pour faire croisement ensemble avec bol matière fécale. Et bien frères et sœurs bien-aimés, faut que moi dis nous Colombien yo mande ensemble avec gouvernement tant pri souple gade ki sa yo capable faire pour yo tande yo ou bien traiter dossier pour comment yo te capable extrader yo mais c'est yo fait qu'on est président faut tande nous ba nous bénéfice doute parce que nous te vini dans pays d'Haïti c'est pour yon avenir meilleur c'est pour nous te travail pour famille nous et puis nous vinn prendre en piège ça. Donc situation ti jan compliquée pour nous et j'en a vivre là c'est pas façon moun ta supposé vivre parce que pour manger non bon après ça pour faire matière là-dedans après ça pour remanger là-dedans bagay la routine gang démoniaque frères et sœurs m'a rappeler ou eh bien nan jou passé ou là Rodolphe Jarre qui était en bacode pour assassinat président eh bien li témoigné devant la justice américaine. Il dit oui, il était financé assassinat et Rodolphe Jassa, c'est bon ami ancien président Joseph Michel Martelly. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, dossier assassinat président Jovenel Moïse, j'en toujours dit le pas Borisite, tout y est youn mais vive à les aider, pas gen moun qui participait dans assassinat cap capable vive à l'aise. Voler pomper ou mettre courroual caché en bas fond la mer. Zo ap stil koke nan gojou, jou rive pou témoigner, ou ap oblige remonter sous la terre ou vin rend sak sous l'estomac ou et sortande ya pou joine sa ki te réservé pour ou. Et bien frères et sœurs bien-aimés, m'ap fè ou konnen président Salvador a frappé fort, li arrivé saisi 1.2 tonnes de cocaïne qui estimé ensemble avec 30 millions de dollars. Président Nayib Bukele annoncé sous Twitter, force navale Salvador arrivé saisi hier mardi yon total de 1.2 tonnes de cocaïne qui évalué ensemble avec 30 millions de dollars. Président salvadorien explique, eh bien, comment yon arrivé saisi yon bateau et s'entende à trois individus nationalité colombienne arrivé en bacorde et ensuite président tag homologue colombien qui c'est Gustavo Perro avec pendant dernier moment yon là yon gen quelques petits répite et frères et sœurs bien-aimés président Perro dans jour passé qui vraiment critiqué politique président salvadorien employé pour lutter contre gang dans pays et s'entendait so président salvadorien lui-même li pral casser maintenant mais président colombia et m'a fait reconnaître président colombia qui était traité méga prison président Bukele était construit comme camp de concentration pays Amérique centrale souvent utilisé et diverses zones pour transiter cocaïne qui rentrer aux États-Unis d'Amérique. Eh bien en décembre 2021, Salvador est arrivé saisi 4.1 tonnes de cocaïne dans l'océan Pacifique, quantité ça qui était évalué avec un total de 103 millions de dollars. Donc frères et sœurs bien-aimés, président salvadorien dit
président Colombia, ramasse pio, ou pas kap di moi-même, oh oui, politique m'a mené contre gang pas bon, et puis toute la sainte journée, m'a ramasse, eh bien, citoyen la kayou kap flané ensemble avec cocaïne sous la mer. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, bagay yo compliqué derrière mon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, hier, dans Mall Saint-Nicolas, la police arrivait mette des individus en bas code. Bagay la triste, parce que si que vous avez gagné mari ou nan kay, ou gon la ajan ou pral chercher, li range ensemble avec un lot, pour voler comme la, pour brako nan route, frères et sœurs bien-aimés, situation compliquée dans le pays d'Haïti. Eh bien, la police fin mette individu yo en bas corde, bral invite ou tende et garde comment yo tap témoigne. Avec vous, vous êtes en train de vous faire un plan pour la soudain dans son âme, monsieur. Avait dit qu'on y a là, madame n'a venu à dire, oui, chérie, y aura les âmes sous moi, y aura l'argent, puis la prend la peine pour fille. Ouais? La ria piégé, ou frère, c'est ça. Il soubaille la police menti. Comment fait Bali 49 appel? Qui relation grand ensemble avec elle? Ah, on plaide Gaston. On plaide. Mettez pour lui la popo. Avant le monde. Qui est là son gars, monsieur?
À la traka pour la vécaïté. Vous comprenez? Ça veut dire, madame ni absoti la caille, libre à aller chercher l'argent port de paix, et puis même il même encore à planifier ensemble avec un l'autre pour braquer madame là pour prendre l'argent. Pays a piégé, frères et sœurs bien-aimés. Donc, m'a rappelé moi, te gen un monsieur a te gen kob,
Mais monsieur, c'était un ancien soldat. Et puis, il y a un compère, lui. Il bien ensemble avec le compère en pile. Et puis, le compère a voyagé dans le matin bonnet. Il n'y a pas de secret pour le compère. Il dit compère, il y a un cob, il va lâcher ton machine. Il dit compère que il mettait l'argent dans le coffre fusil. Il a expliqué là et compère qui côté mettait l'argent dans demain matin bonnet a sorti et compère a tout prêt faire route parle. Et mes frères et sœurs bien-aimés, compère a dormi et connaît qui côté monsieur mettait fusil. À demain matin il prend affaire et puis pour descendre Port-au-Prince pour venir faire ça gain pour faire. Monsieur levé dans nuit là. Il prend fusil à frères et sœurs bien-aimés. Il prend cobla. Il tire compère madame compère qui te fait accoucher si bébé a gagné 3 mois il tire ma commère et puis tout sous cabane si bébé a ben sans maman monsieur prend cobli la les fait out li c'était 8h du matin voisine ay wè Messi a pas sorti parce qu'on sorti bonnet a changé bête. Et puis les que yo tande ti bébé a crier pas chame gen moun ki ka consoler ti bébé. Les ou frappé porte forcé ouvert porte. Les voisins a arrivé. Yo joine Messi a balayate. Yo joine madame nan tout couché sous cabane. Et puis ti bébé a même y a ben ensemble. Donc quand il s'agit des dossiers l'argent, s'il vous plaît, faut que nous fassions très attention. Si madame cap fait complot pour kidnapper Marie, si Marie cap fait complot pour voler madame, donc frères et sœurs bien-aimés, vous capable comprendre situation difficile pendant dernier moment ou là dans pays d'Haïti. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans insolite nous pour journée aujourd'hui à Ouloulouy. Non que causer. Et non, frères et sœurs bien-aimés, faut coup de pied en Afrique. M'dal en Afrique, faut me dire nous ça. Donc rivé en Afrique, faut me montrer nous comment ça t'aille, m'dal participer non mariage, mais comment cortège mariage là t'a défilé, on nous suit avec. Aïe aïe aïe, cortège mariage là avec Droum li fait. Regardez madame mariée. Oh my god, à l'aise, hein? Là à l'aise. Jean Zel Doum na fait, Jean Chita là dans le confort de ça. Aïe aïe aïe. Aïe les enfants qui t'ap si mes flèches. Aïe marine yo frères et sœurs. Aïe parine yo derrière cortège mariage. Ah j'ai la vie. On pas besoin pile non pour héros dans la vie. Tu vois? Avec bois et puis droum. Et moto a, aïe chauffeur, aïe cortège mariage là. Waouh. Wow, madame Aya devant, monsieur Maria. Les enfants. Et puis marine parraine. Voilà là. Oh Jésus. Rete là, dit qu'on ça faut gen limousine, faut ga gauche, faut à droite pour marier. Wa quitte. Wa saisi wè lè a passé sou pa marier. Hein? Un petit mariage bien simple, c'est gapi l'argent. Non, pas gapi l'argent dépenser là. On moto devant et puis cap râler divers doux ma caoutchouc et puis yo pral les cortège et puis s'entendé à Maria il a pral durer peu pas ici parce que pas gain discussion pas gain dette après nos là souvent c'est dette après nos là qui qu'on fait Maria yo craser. Mesdames, mademoiselles et messieurs, image ça vous regardez là bagay la triste ou capable ouais c'est une quatre cérémonie nuptiale par comme ça qu'on dit. Ou quoi c'est causé? Eh bien, la justice mette en bas code, monsieur Sawab gade nan image là, qui c'est Clairvillus Harry, qui vient organiser yon troisième mariage ak madame ni Mayette nan ville Saint-Marc, yè 28 mars là. Yon mette pasteur Masen Nonondre en bas code pour ba explication. Et monsieur Clairvillus, frères et sœurs bien-aimés, te marié déjà en Haïti et li gen deux petites li pa jam okipe yo.
li rentré aux États-Unis d'Amérique, li marié ensemble avec une dame, s'entendé à li marron zone. Et puis troisièmement, le descend, débarqué vin marié ensemble avec un autre et puis s'entendé à la justice ak la police. Débarqué, ancien madame nan débarqué, marié écrasé, yo tout metté misye en bakòd pour yo konnen qui intention qui fait la marcher marié ou pas occupé petite ou marcher marié ou pas jamais divorcé, mais c'est quoi l'histoire? Donc frères et sœurs bien-aimés, et restez connectés pour ces détails, n'a vini ensemble avec yo pour. Madame, mademoiselle et messieurs, m'a fait connait nan ni pays à la police nationale fait gros coup de filet et neuf bandi en bacorde. Entendez bien directeur départemental Nipla qui t'a bail plus détails sous dossier ça. Et nous même comme la police là nous venons tendre question à ces concernés, on nous a envoyé information yo ban nous a expliqué nous dans quelle situation nous est et nous avons décidé de monter la garde au niveau du baradère pour nous être capables d'essayer de mettre Mounsayo en état de nuit. Oui, il y a une arrestation. Nous avons arrêté de 9 personnes au total. Malheureusement, non. Oui, heureusement. Et très certainement, et nous-mêmes, nous pas qu'on est mon yo de visage physiquement nous pas qu'on est yo, mais c'est lorsque nous gagnons une unité qui descend au niveau du baradère et m'taka di autour nous profiter micro nous pour saluer courage mon baradère, féliciter yo pour apport yo te bay la police et voir la police te capable essayer de mener opération yo na identifier tout le monde qui t'a fait des audios et qui t'a voulu accaparer en bas comme champ bataille pour être capable de s'y mettre à terre. Pour le présent moment, nous t'a capable de dire à 75-80%, nous avons contrôlé la ville, nous avons contrôlé la situation. Mais là encore, par rapport avec configuration baradaire et espace côté moniologie, côté bandiologie, c'est des espaces qui sont inaccessibles même par voie véhicule. Donc, il est extrêmement difficile pour arriver dans l'espace là. Mais quand bien même, nous estimons que force de l'audio font travail au père, parce que majorité branche, nous t'accadions débranché, et quand pile dans bandit ça, heureusement, ou du moins malheureusement, pour tête des ponts, yo, y a un temps, chapé pour yo. Nous récupérons 3 motos. Et gen yon nan moto yo, gon moto ki detwi, semblerait-il les mettre li estimer que l'embarrasse à moto a li met di fè la. Mais nous gen 3 motos, notamment te kon directeur l'école, yo te pran moto li, mais sous pression force de l'ordre li te obligé vers les 2h du matin vin lage moto a nan espace côté tout monde ka identifié et mettre moto a récupérer. Et pour l'instant, nous avons deux motos qui confisquées aux ordres de la justice. Malheureusement, non, pas des armes qui saisissent, et c'est peut-être plus grand regret, non, par rapport avec Jean Situation. Il y a, comme on dit, tête de pont, côté monsieur Monte Tantioa, nous n'avons pas vraiment gagné possibilité pour nous atteindre avec espace là qui est inaccessible, mais quand bien même travail a continué et objectif non c'est pour nous aller. Oui, il y a des monde, c'est monde baradeur et c'est monde baradeur tout qui encourage l'autre monde ça revenir et notamment par exemple nous un chef bandit ça qui c'est un certain Épreuve qui était dans prison, qui était arrêté dans un premier temps et qui est venu te transporter qui a arrêté au CAI, il a transféré le Miraguane et malheureusement quitté la prison Miraguane et qui voit une libération le 19 décembre 2022. Heureusement, il n'y a pas de chance d'arrêter. Vous voulez faire référence à qui côté? Immigration. Bon, nous connaissons l'immigration, si vous voulez dire, son problème. Presque sauvé dans toute République là. Mais faut ne pas oublier, nous-mêmes, même avec moi, nous connaissons son dossier
nous pas préparé pour lui. C'est brusquement, ça vient frapper. Son nom, et de toute manière, il faut nous joindre aux gens pour nous gérer. Nous connaissons dans Miragouane, il n'est pas différent de quel que soit bureau immigration, yo, parce que nous connaissons des ordres presque sur toute la ligne. Mais Miragouane lui-même, nous sommes capables de dire qu'il presque son cas particulier. Pendant que la police lui-même, li metti toute bonne volonté chita avec autorité yo, pour nous garder qui j'en ont mieux et puis am dotation personnelle yo on va voir policier ou avec bout de bâton on va voir policier avec zame de guerre policier aller nécessaire pour canaliser mon yo dans meilleure direction et pour yo arriver joindre bureau pour yo prendre service que yo besoin mais nous même nous pas participer dans gestion passeport laisse-moi vous dire chef. Et Idmo, c'est force qui gère troupes qu'elle est. Idmo, c'est médecin d'autres li fait. Bâton, c'est principal zam Idmo. Bouclier, c'est principal zam bâton pour Idmo. Casse, c'est principal zam moun kawè qui n'a médecin d'autres là. Mais c'est pas parce que un policier gon bâton en mel, ça veut dire que à tort ou à raison, c'est casser tout le monde, c'est bâton, pas si bas là. Bah quoi c'est là le problème là. Est-ce que nous te rendons compte qu'un policier te gagne gaz en mel? Nous te rendons un policier te gagne âme de guerre en mel? Non! Parce que nous connaissons, quel que soit ce circonstance, policier, Idmo, force de l'autre là, pour gaz là, il n'y a pas qu'à fait utilisation de lui dans n'importe quelle circonstance ou bien dans n'importe quelle direction. Donc, on bâton, non mais on Idmo, c'est ZAM principal, c'est ZAM de travail. L'instant la police qui contrôle baradère de 75 à 80%. Non. Malheureusement ou heureusement non, pas de monde qui tombe parce que la police pas là pour jeter monde, la police là pour ramasser monde. Donc, oui, il y a des arrestations qui font, il y a un nombre de 9 monde qui arrêté. Et nous avons au moins 3 motocyclettes qui saisissent et puis ils ont passé par les flammes, mais c'est pour mettre même un bout de propre mettre moto. Bon, bien entendu, son moto pas de poulet. Mais l'élevé, nous voyons qu'elle est embarrassée à moto. Les rendre quand si moto s'arrête, mais il y a qu'à retracer les et puis. Il était différent là-dedans. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés, vous avez entendu déclaration directeur départemental NIPLA. Donc, dans Baradère, situation c'est extrêmement compliqué. Eh bien, la police fait un premier coup de filet 9 individus en bas corde et autorité a annoncé qu'il va continuer de travailler pour que soit capable de reprendre contrôle zone pour mettre sécurité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquets et SSL volaient au caprété. Côté élément ça, vous rappelez aussi déclaration ça? Par exemple, la Saint-Pierre, pour le porter d'élection, ben nous, si 2 heures de passé. Ça veut dire, ou prenez la place Saint-Pierre, 2 heures passé, si je venais pas porter la démission, vous pouvez prendre la caille. Je ne vais pas descendre pour le porter démission. Ben nous, ma progrès que ma petite. Nous prenons tout il. Prenons que la dia la soit tout nous prenons tout il. Mais connaît qui est capable de justice dans le pays ça? Qui est capable de justice dans le pays ça? Parce que. Pour sénateur de la République du comme ça, et bien si président pas porté les démissions en ban nous sur telle place et bien monter la caille et puis c'est ça qui fait et bien mais c'est ça style toujours à marcher dans la République. Dernier coup pour touyer coucou à frères et sœurs bien-aimés, ça qui triste, imaginez les États-Unis d'Amérique, le FBI frères et sœurs bien-aimés, mettez $1 million à terre sous tête vite l'homme. $1 million à terre, sous tête la mort sans joue. $1 million à terre, sous tête gaspillage. Tenez bien, oui. $1 million sous chaque tête gang pour moun qui baye information qui arrive fè yo mare monsieur sa yo. Yo pa ka joindre moun qui pou permet yo mare yo. La police vini mette 10 millions de goudes sous tête vite l'homme. Avec du gain $1 million plus $100 millions de goudes. Et puis, vous regardez, monsieur,
on série de policiers l'éternel. USGPN, Seigneur. Katsim, Seigneur. USP, oui, papa. On série de policiers armés juste dans d'un, mais gros, c'est ça, yo. Bel uniforme sou yo. Yo vend président pour $1,000 américains. Avec si, ou capable ouè bandi yo papi ti frères et sœurs. Si yon ka mette $1,000,000, pa gi pièce moun ki pral bay fòm information pou mare gang yo, et tandis que yo van nou président pou $1,000 américains, monsieur nou kokorat. Monsieur nou kokorat a mort. Ma chan pense nou te descend nan niveau sa. Yo te di ma isye pa ka soufri gang ou même pa te pense nou tap fon bagay kon sa. 10 millions goudou nan la police, plus passe $1,000 américains. Ave din baka met. La patte souvite l'homme. Nyam, nyam, nyam. Alla ta kaboula avec aïte. Donc, fasse ça bien aimé. L'am djou pa borisite, c'est la république des coquins sel volé kaprete. Ou doué passe si blague. En tout cas, donc, le nou gon pays, l'autre pour que yo déstabiliser tout dirigeant prêt pour faire check mon flé ensemble avec l'autre. Il a fait check mon flé ensemble avec gang et puis mes journées jodi la police a metté l'argent d'ailleurs 10 millions de gouttes pour prendre vite l'homme. Et même yo même dans cocktail libéré vite l'homme. Yo ensemble vite l'homme a planifié assassinat. Policier qui t'a sécurisé président bail laissé passer pour $1,000 américains et puis mes kounya $1,000,000 à terre. Pièce moun pa ka ba information pour arrêter vite l'homme. Monsieur nous lâche. Nous a un sentiment. Nous kokorat à mort. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Ouais, ou alors pensez cette petite moun après son abdi, petite papou. Ou kon sa ka privé? Kite moun tou. Ok. Aïe. Aïe. Ou pou dou, ouais. Est-ce que m'pa konn sak premisye ki intention hein pou ti pogren nou kon sa pa vrai et puis kounya la ou mette l'en bas on bois ou mette on bois en bas on bout de bouret m'pa konnen et pou mette bloc et pou wap pèse wap pèse la finance cette petite moun yo après so marché di petite pa pou mais comment pousser a pou ouais tap 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 ba dis Jean ouais. Tap tap. Daï. Ouais, bah là c'est pas moi le frappe en bagre ni fait mal. Ah, grenou plat garçon. Ou pas arrête gren encore. Ou pas arrête gren. Non, ou pas arrête gren. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée au caprété, qui vivra, verra, qui mourra, kakara, n'a fait place à Voix de l'Amérique pour ses formations nationales et internationales. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui pas trop long. Actualité a mené nous d'abord dans le pays Mexique, côté autorité a enquêté sur un fait qui éclatait dans un centre de détention dans Ciudad Juárez, côté 39 moun pour pipiti mouri. Et Jean-Robert Philippe Capsule pour nous et développement actualité ça. Jean-Robert Philippe, t'as semblé que moun qui mouri yo, c'est des moun qui étaient sous route pour yo ta traverser frontière États-Unis partagé avec Mexique là. Oui, effectivement, la clé, c'est une zone qui est sous frontière. Et proximité et sud à l'ouest avec El Paso, Texas, sont une zone idéale côté immigrant. Et utilisé surtout pour traverser, demander asile pour entrer aux États-Unis. Mais c'est vraiment une situation qui est très grave parce que justement, les immigrants, ça a eu, je dis à la qu'on y a ses familles avec des amis qui peuvent chercher qu'on y a pu commencer à identifier les cadavres, les gens qui sont victimes et qui semblait que tu as fait partie d'une opération que la police mexicaine ou que l'autorité mexicaine menait, leur t'a arrêté, moun qui était dans la rue, alors que selon ça qui dit, ils n'ont pas demandé moun sa pour identifier les gens là-dedans qui ont un document légal pour être arrêté dans El Paso, pour être arrêté dans le sud Juarez, dans Mexique. 39 immigrants mourent pour Pipiti après une différence éclatée dans un centre de détention pour immigrants dans la ville frontalière sous la Juarez, tout près frontière États-Unis partagée avec le Mexique, d'après l'Institut national de migration mexicain. Service secours Villa a développé victimes dans papier aluminium avant de transférer dans ambulance. Plusieurs résidents sont arrivés sur place pour porter secours par les victimes incendiaires. C'est la 1 de la tarde, esperando el papá de mis hijos, de ella.
Yang Yi, madame Yun, nan victime incendia, qui est un citoyen vénézuélien, déclaré, moi, j'ai longtemps depuis ma tante, papa Timounio, devant sans détention. Je dis, mais je pourrais libérer. À 10 ans à soir, moi, constaté, la fumée, t'es commencé à sortir en dedans. Tout le monde courut, excepté monsieur qui fermait dans cellulio. Emilio José, un citoyen vénézuélien qui parle à madame Lee, déclaré, personne ne dit rien concernant madame moi. Moi, pas connaît qui ça qui peut le passer. Est-ce que y a déporté yo? Yo pas voulu répondre aucune question nous poser. Même si nous illégal ou bien nous pas gain document, nous c'est chrétiens vivants qui ont sentiment. Grâce à ce passé là, quelques monde blessé et a souffri et comme conséquence ça passé là. Que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver. Président mexicain Andrés Manuel López Obrador a confirmé la mort de 39 immigrants qui étaient fermés dans son détention à l'agence immigration dans le sud-ouest. Cependant, il dit que ces prisonniers qui mettaient du feu dans le matelas après avoir réalisé l'autorité pour le déporter. Les détenus n'ont pas réalisé du feu après avoir causé des dégâts tragiques. Toute autorité est sous place dans la communauté justice là pour garder l'aspect légal là. D'après l'Agence nationale d'immigration, il y a 68 adultes garçons qui sont en Amérique centrale avec l'Amérique du Sud qui sont fermés dans le centre de détention. Nous avons déjà des papiers ici, en Ciudad Juárez. Vian Li ajouté, nous avons un document autorité sud-adroit et sur Obanou, mais ils ont arrêté dans la rue sans aucune raison. Ils ont arrêté sans yo pas demander si nous avons un document légal. Dépoussé immigrants, ils ont arrêté au point final. D'après l'agence, 29 immigrants qui blessés dans l'incendie a pris soin dans 4 hôpitaux locaux. C'est un incendie qui est plus mortel qui a frappé le Mexique depuis plusieurs années dans mon pays a plutôt contre l'augmentation quand ces immigrants cap chercher et traverser les frontières pour demander asile aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Déjà gagné une enquête qui est sous pied dans le pays Mexique pour qu'on ait l'autre raison, parce que le président López Obrador déjà a une raison, mais capable de gagner l'autre raison. Encore, il y a une pile réaction tout qui sortit à travers le monde par rapport à Difesa qui était éclaté là et qui la cause 39 immigrants pour plus petit mourir. Nous parlons non l'autre point, nous parlons hexagonal, nous parlons en Europe et ben en France. C'est 10e journée de mobilisation mouvement syndical contre réforme pension président Emmanuel Macron. Sandra Lemaire, gain détail. Manifestants dans le pays la France bloqué rail-train, autoroute et puis entrer dans les laisser frapper avec la police dans quelques villes pour protester contre loi pension président Emmanuel Macron hein, qui pas populaire dit tout. Dans ville Nantes, dans l'ouest pays, ils mettaient du feu dans façade banque BNP Paribas. Ils mettaient du feu tout dans une machine pendant quelques manifestants dévoyaient feu d'artifice sous la police. Dans Paris et dans Marseille, manifestants ont été bloqués rail-train pendant un bon moment. Puis bonheur dans la journée, le gouvernement a rejeté une nouvelle demande syndicale fait pour suspendre et puis repenser la loi qui prend le retarder l'âge pension par 2 ans. Nouveau l'âge pour les gens qui prennent retraite, c'est vers 64 ans, une cause qui vexe les leaders syndicaux qui dit que le gouvernement joue une solution pour sortir de la crise. Ça. Gouvernement, bon côté pas dit, li d'accord pour parler avec syndicat yo, mais sous l'autre sujet, il s'est menté pour camper ferme derrière nouveau loi. Macron qui te promet pour faire réforme dans le système pension pendant toutes les 2 campagnes à la présidence, dit faut qu'il fasse changement ça yo pour équilibrer situation financière la France. Syndicat yo à opposition dit gain l'autre façon yo ka faire ça. Des millions de Français prennent la rue pour protester depuis mi-temps mois de janvier pour montrer qu'ils opposent la loi ça. Cependant, frustration publique là d'évoluer qu'on pour tourner un gros mécontentement contre Macron. En particulier, manifestation yo intensifiée depuis gouvernement est servi avec pouvoir judiciaire et spécial li pour approuver loi pension sans parlement pas de voter sous lit. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington.
Et puis, tant qu'on connaît le vendredi qui s'est passé là, eh ben, président Emmanuel Macron a pris une décision pour annuler, lui-même avec toute la Grande-Bretagne, prend une décision pour annuler visite que Wachal 3 a fait dans la capitale française là. Et puis, nous voilà en Afrique, vice-président américain Kamala Harris a passé une semaine sur le continent africain pour parler de tête ensemble États-Unis, Afrique, dans la capitale Ghana, Accra. Pour plus de détails, Serge-François Michel. Vice-président États-Unis Kamala Harris gen pou promettre yon nouvo epok tèt ansanm ak Afrique. Lèl pale jodi madi nan Black Star Gate nan kapital Ghana. Li pou al fè diskous sa nan dezyèm jounen voyaj li an Afrique kap dire yon semen. Program ni pou jounen jodi an gen tou yon vizit nan chato Cape Coast, yon liye kote yo te mare Afrikan pou van yo kom esklav e embake yo pou ale nan Amerik yo. Harris te insiste a yelen di yon ke intere États-Unis nan nation Afrique mais on allait plus loin passer compétition avec la Chine. Il était parlé comme ça hier lundi dans Kai Jibilé à siège présidence là dans Ghana. L'elle était campé ensemble avec président Ghana Nana Akufo-Addo. Harris c'est cinquième gros autobré américain qui visitait continent en ça et les contre-carré critiques qui dit comme quoi États-Unis ou une nation africaine seulement pour faire compétition avec la Chine qui bâtit aucun projet infrastructure et prêter nation africaine des milliards là, dans ça en pile mon ouais comme million litres pour influencer pour le gagner accès dans les sociaux. Des gens ont fait 8000 jeunes qui étaient rassemblés en bas un soleil chaud qui t'a cantonné au pour y attendre Harris qui t'a parlé dans la capitale là, Accra. Kamala Harris, c'est la première femme noire qui est vice-président des États-Unis. Elle était parlé dans Black Star Gate, portail étoile noire, un monument important, bon homme, pour marquer l'indépendance Ghana en 1957. Elle était sortie en bas, occupation Grande-Bretagne. Serge-François Michel, VOA Creole. Merci Serge-François Michel, vice-président Kamala Harris, a bien pour aller dans deux autres pays, toujours sur le continent africain. L'autre point dans l'actualité à soulever au Acréole, on suivi un programme en langue créole haïtien par Kaz Rel Michel qui gantino gâté Pras, ancien chanteur Fugees, trouvé devant la justice en bas accusation comme quoi il était dans complot avec milliardaire malaisien Jolo contre États-Unis. Nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior dans la rue Washington. Nous dans Washington DC devant courthouse là côté nous pas gagner pour nous suivre audience Price Michel ancien chanteur Fugees qui était chanté avec Wyclef Jean, Lauryn Hill mais je dis à qui trouver devant la justice américaine. Price trouver devant la justice américaine parce qu'il a une connexion avec un milliardaire malien qui gagne problème avec la justice américaine tout. Sélection même jury pour procès artiste haïtien Price Michel là. Tanmen lundi 27 mars 2023 nan yon tribunal fédéral nan Washington. La justice États-Unis akize pa Kaz Rel Michel 50 l'année parce qu'il li pat inscrit ak l'état comme agent la Chine. Li te participé nan craponnay témoin et puis participé nan yon complot ak yon gros chabrak malaisien. Price Michel insiste li innocent. D'après rapport qui paraît dans la presse, ses relations artistes la te genyen ak milliardaire malaisien Low Take Joe alias Jolo qui déclenche yon enquête et puis débouché sur accusation fédérale qui ta la cause li kapral passe entre 5 ak 20 l'année dans prison pour chaque accusation qui pose sous dol. Document la justice dit malaisien yon te payé co-conspirateur li yo. Parmi yo, Price Michel, plusieurs millions de dollars pour essayer prendre tête administration Trump lan ak département justice la en bas Trump pour camper enquête li ta mené sous l'eau la. Et puis, fait arrangement pour déporter yon businessman chinois qui te kon critiquer la Chine pendant li tap vive États-Unis. Yo accusé Michel tout parce que li même ak l'eau te kon blanchi l'argent nan contribuer nan campagne yon politicien américain. Selon la loi États-Unis, c'est un crime pour un étranger contribuer à l'argent dans la campagne, dans le niveau fédéral, État ou bien élection locale. Département justice l'a dit, li accusé tout parce que yo te caché, yo te recevoir l'argent et que yo tap travail pour l'eau avec un ministre chinois. Milliardaire de l'eau te gagne échappé pour lui, courir quitter États-Unis après la justice te accusé lui officiellement. Autorité yo quoi? Monsieur ap vive la Chine pour kounya. VOA Creole te essayé prendre contact avec Price Michel par rapport à Kassila, mais représentant l'ité fait nous connaît. Michel voulait tant déroulement procès avant l'y parler. Gentil Augustin Junior, Washington, pour la Voix de l'Amérique.
Merci Augustin Junior ou toujours sauvé au Acreol ou suivi un programme en langue créole haïtienne. Merci d'être que une autre fois encore choisi nous pour informer au dans pays d'Haïti Alliance Réseau avec plateforme organisation femmes pour participation politique avec leadership femmes fait au lancement jeudi. Salut le signal clair envoyé par l'Alliance aujourd'hui à cet égard. Chapeau les Nations Unies en Haïti avec, je le rappelle, deux femmes à sa tête se tiennent à votre côté. Ça encore, c'était Cause et Femmes. Donc, Nabguin, pour nous joindre détail, dans un petit moment avec un reportage Yves Manuel, mais il était branché. Et tant qu'on nous t'a annoncé, Alliance a fait lancement ça pendant une cérémonie officielle dans Pétionville en présence du Premier ministre Ariel Henry, Yves Manuel. Alliance Réseau et Plateforme, organisation femmes pour participation politique et leadership féminin, lancée dans Pétionville pendant une cérémonie officielle. Cérémonie ça déroulée en présence plusieurs personnalités publiques et sociétés civiles, parmi eux Premier ministre haïtien Ariel Henry et présidente Conseil national transition Mirlande Hippolyte Maniga. Je salue le signal clair envoyé par l'Alliance aujourd'hui à cet égard. Chapeau, les Nations Unies en Haïti, avec, je le rappelle, deux femmes à sa tête, se tiennent à votre côté. Premier ministre Ariel Henry, dans le discours circonstance, salue courage toute femme militante Sayo qui, malgré tout, kembe flamboa à l'imè. Libay garantie, gouvernement l'ampral collaboré avec l'Alliance. Là. Je souhaite vivement que cette alliance prenne corps et rassemble autant que faire se peut le maximum d'organisations autour de ces objectifs communs d'intégration davantage des femmes dans la politique du pays et ce à tous les niveaux. Chef gouvernement, yon l'autre côté fait qu'on est, dans l'occasion prochaine élection, yo, dès que problème sécurité à résoudre, gouvernement l'a dirigé a bien pour prendre mesures incitatives pour encourager les femmes yo, pour opposer aux candidates. Mon gouvernement prendra des mesures incitatives fortes pour encourager les femmes à se porter candidates, pas seulement pour faire de la figuration dans un cartel de maire, mais pour devenir des sénateurs, des députés et avoir des leviers plus importants pour influencer davantage les choix des politiques publiques et mieux faire entendre leur voix. Bon côté pal, Madame Mirlande Hippolyte Maniga félicite avancée qui fait dans le cadre de lutte pour égalité droit yo. Ancienne première dame nan salue code civil qui baille égalité droit dans mariage. Yon l'autre côté, li bat bravo la contentement pour amendement constitution en 2010 lan qui fait injonction pour respecter légalement quota 30% femmes dans tout niveau dans vie nationale. Les femmes ne perdent pas de vue l'objectif de la parité, même s'il paraît difficile pour l'instant de l'obtenir. La route est encore longue pour elle, mais les espérances animent le combat. Coalition Organisation SA et Réseau Militant Droits Femmes regroupaient 11 inscrits qui représentaient 11 départements en d'un pays. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. D'après toujours dans le pays d'Haïti, ancien sénateur Jean-Renel Senatus a annoncé l'ordre démocratique commence à faire mise en place pour recevoir l'argent dans les membres de structure politique là, la dirigée pour collecter 5 millions de gourdes pour aider la police à acheter matériel nécessaire dans le cadre de lutte contre l'insécurité. Wena Toussaint, depuis Port-au-Prince. Démarche parti politique, l'ordre démocratique entreprend pour collecter 5 millions de gourdes pour doter la police haïtienne matériel nécessaire dans le cadre de lutte contre l'insécurité et kidnapping sur route pour le concrétiser d'après ancien sénateur Jean-Renel Senatus qui s'est initiateur mouvement ça. L'ordre démocratique, je dis à la, en pleine mobilisation, côté tout membre nous, n'importe où prince, comme dans la ville provinciale ou dans la diaspora, commencer après les bureaux centrales là pour qu'on ait comment nous capables de contribuer justement pour permettre de collecter les 5 millions de gouttes que nous-mêmes nous engagés publiquement pour nous porter dans basket fond, je ne dis pas, ou bien dans assiette la police là, avec l'armée, pour au moins nous sommes capables de considérer comme une contribution
pour aider la police. Là, gagner deux hélicoptères de surveillance et à chercher l'autre matériel qui a aidé la police à l'armée à faire travail. En plus, 5 millions de goudlans, Jean-Renel Senatus fait connaître l'ordre démocratique proposé un sommet d'État deux jours sous question insécurité en Haïti avec stratégie qui doit permettre la paix et sécurité retourner dans le pays d'Haïti. Dans un communiqué presse, jeudi 23 mars 2023, Office Protection Citoyen OPC dit engagé pour piloter sommet d'État sous insécurité l'ordre démocratique proposé selon ancien sénateur Senatus. Il y a un comité qui a monté, qui a relé entre guillemets secrétariat exécutif qui est prêt à commencer à mettre les touches pour garder comment ils sont capables d'aller vers l'organisation de sommet ça. Moi pense que c'est une initiative que tout pays a doué fixer les yeux le sous lui, dans la mesure où les porteuses d'espoir, du choc des idées jaillit la lumière, et c'est des Haïtiens et Haïtiennes qui ont profité ensemble pour dire quel type de politique en matière de sécurité que vous voulez pouvoir ça, quoi que nous connaissons, n'est pas de bonne volonté, pas de volonté pour sécurité à rétablir, mais c'est à elle nous obliger de parler pour nous dire, mais qui ça nous-mêmes n'a pas souhaité que le TEC apprend comme monde qui gagne dans mille et avenir pays. C'est une quoi proposition, l'ordre démocratique là, sommet d'État ça, doit réunir DG la police ou état-major l'armée d'Haïti, tout ancien premier ministre, ak ancien secrétaire général palais national, primature, ak parlement, ou en Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. N'après toujours dans question insécurité, ancien député Deus Deonet, secrétaire général parti politique et l'un démocratique pour majorité EDEM, rencontré Jodia avec la presse pour bailler position sous phénomène insécurité à Massadoville mette présent. Dans la conférence, l'ancien député Deus Deonet, si a été accord 21 décembre qui a accouché au Conseil de transition, HCT, dit gouvernement en place là pas manifesté aucune volonté dans l'idée qu'a mené contre phénomène insécurité à. Ancien parlementaire a bien raison. Jusqu'où la police, que nous gagnons, qui, celle force qui toujours à Dubaï, n'est pas que j'en sais rien, mettez gouvernement qui a rencontré l'armée la dernière fois, nous pensons qu'il a gagné en forme de symbiose entre la police et l'armée pour une unité d'intervention. Parce qu'il était toujours pour elle, problème qui est là, haïtien plus qu'à résoudre qui est danger. L'on dit ou gagne sécurité et moun qui baille sécurité, c'est gang yo. C'est ça nous dit, c'est ça nous quoi. Ou gon pays qui est le Canada qui dit, m'a aidé à identifier moun qui gagne en connivence à gang yo. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, mais la réalité c'est que le Canada a publié non bon moun, il dit sanctionner ou pour pas entrer dans le pays parce que yo en connivence avec gang. Si c'est gang qui baille sécurité, yo publie un bon citoyen la caillou en connivence avec gang, faut chita pas avec. Tout au moins, si la justice parfois, pour lui convoquer ou pour lui interpeller, faut au moins, de le gouvernement, il te mouton enquête, la chita avec chaque mounso, qui c'est ancien président, ancien premier ministre, ancien sénateur, ancien député, qui sous liste pour lui dire en connivence avec gang, et gouvernement pas ni tende yo, la justice pas ni tende yo ou pas fan yen. Cependant, plusieurs organisations sociales et politiques dans la vie nationale pays ont annoncé une manifestation pour demain mercredi 29 mars à côté pouvoir en place là. Yo dit qu'il pas fait rien pour freiner insécurité à kidnapping là. Nous devons dire, dans la semaine qui se passe, yo, force de l'ordre arrive mettre deux plusieurs présumés bandits à terre et puis dévier plusieurs cas kidnapping dans le cadre opération Tornade 1, directeur général police la France LB lancé à. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinmi pour VOA Créole. Et puis, insécurité tout dans ville Okai, bandi a metouye deux commerçants pendant week-end nan, sous situation, en situation qui révoltait commerçants dans région. Jean-Ernst Eliska a gen détail. Bandi a exam touye deux commerçants dans ville Okai pendant week-end nan. Tat Mura, qui se propriétaire yon autoparts ak yon pompe à essence, joine la mol. Nan moment tap sot nan business li ki sou boulevard 4 chemins alors que Loni Trentius ki gen 33 ans et qui se propriétaire yon quincaillerie mouri en babal bandi nan moment tap rentré la kayli après-midi dimanche 26 mars 2023 kek commerçant ki tap réagi fè konnen insécurité a frappé yo en pile dernier jour sa yo
C'est que ouais, moi venu ouvrir là, c'est pas moi-même comme si venu ouvrir. Nous commerçants frappés, c'est tout commerçant frappé. Voir que la façon la répéter là, montrer que aucun monde pas exempt. Et on t'a dit pour prendre précaution, quelle précaution on prend? Les nous bien des autorités qui ont responsabilité à pas prendre responsabilité. Et par rapport à ça, on regarde où est effet ici, bandi yo, yo même c'est job yo, c'est métier pas yo. Côté que yo jouent un boulevard, yo profiter à vider mon société à terre. Commissaire gouvernement Okala, maître Ronald Richemont fait connaître la fait tout ça le capable pour mettre bandi yo dans rôle yo. Zak qui fait dans ville là, il interpelle la justice, il interpelle la police au premier chef pour que nous joignent un modus operandi pour nous et matel et pour nous arrêter bandi yo ou bien pour mourir tout parce que n'a prôné zéro tolérance à tout monde, tout bandi qui gagne zame illégale qui mettre de l'eau dans zye population. Affaire de monde dit la police ou bien DDS a gagne problème avec commissaire Richemont, donc nous souhaiter que nous suspendre répéter bagage ça. Donc la police avec la justice pour elle continuer le travail pour que sécurité établie janteye dans le sud et dans la juridiction des CAI. Chambre commerce industrie et profession sud dans une note li publié condamné Zak banditisio qui a fait tout différents secteurs pendant la présenté condoléances li bay famille victime yo konsal mande la police ak la justice pour prendre responsabilité yo mener bon jan enquête pour traduire coupable yo devant la justice. Jean Ernst Eliska VOA Creole Okay. Docteur Kounou Kapabouel, et insécurité a pas voulu chômer, il n'a pas voulu sortir dans l'actualité. Donc, son actualité, c'est un phénomène qui toujours retenu attention et tout le monde parce que ça a saccagé pays. Et ancien président Jean-Bertrand Aristide, pendant une cérémonie de graduation, lui-même, il réagit sous crise multisectorielle pays. Et bien, surtout sous question insécurité à Massado Vilme. Ancien président Jean-Bertrand Aristide déclaré phénomène insécurité à kidnapping qui blaye dans tout pays, ses conséquences coup d'état 1991 à 2004 année passée. Ancien chef l'État a fait déclaration cela dans l'occasion de cérémonie de graduation des 130 étudiants dans l'université LIA. Si les conquêtes démocratiques n'avaient pas été emportées par les coups d'état du 30 septembre 1991, et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. L'enfer, kidnapping, insécurité qu'ap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'état 2004 là. Ancien chef l'État a quoi? Aucune solution dans la crise insécurité n'est pas possible sans participation peuple là. Force peuple là, indispensable pour accouchement sécurité. Choisir continuer quitter peuple là dehors, c'est plus gros erreur. Accepter mettre peuple là outside, c'est plus gros erreur. Mandez tout le monde qui est intelligent, souple, évitez Pigro et Wessa. Moi souhaiter pour nous tous qui représentons force économique et force politique, l'ouvrir l'espace pour peuple là, porter force pâle dans l'accouchement sécurité. Tout accord qui pas fait corps, ak peuple là encore, c'est accordéon. Accordéon pour chanter do ré mi facile sous do pouvoir. Leader parti politique Famille Lavalassa, docteur Jean-Bertrand Aristide qui t'a parlé en daki, quoi faut peuple la libérer, ambassade rele faut quoi faire qui derrière ka les têtes masla. Insécurité a fait nous tout mal. Kidnapping nan fait nous tout mal. Prix gaz la vie chère fait nous tout mal. Blackout 24 sous 24 là fait nous tout mal. Coup de gilet chômage là fait nous tout mal.
flamme différent goua fait nous tout mal parce que nous tous ces frères ak sœur. Jodi, demain, faut nous libérer en bas tout faux quoi fait qui voulait caler tête nous rose. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Vilmé, pour VOA Créole. Nous voulons dire merci à Télé-Pacifique pour courtoisie avec images que nous joignent le discours ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et puis, une dernière mise à jour concernant Ukraine, soldats russes continuent à avancer dans la direction ville Bakhmut qui n'a pas dit l'Est Ukraine d'après déclaration yon responsable la Russie installé dans zone nan jodi madia. Cependant, et service et renseignement britannique fait qu'on est escadron tank russe subi yon gros dégât, yon gros défaite tout près ville Adjika. États-Unis appuyé l'idée pour yon mette sous pied yon tribunal spécial pour juger crime agression la Russie commet dans Ukraine d'après yon gros envoyé spécial et yon porte-parole département d'État. Eh ben Washington voulait corriger Ukraine dans démarche pour faire la Russie prendre responsabilité pour invasion li fait dans pays Ukraine. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans programme là. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci Franklin, merci Ben. Moi je vous remercie parce que t'as suivi avec attention, merci pour fidélité ou patience. Moi pour aller m'a quitter ou dans bras papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Foucault, rendez-vous cassé pita 7h pour une autre vidéo. Bye bye. M'ramasse paquet moi, cause habitant parmisé la ville. M'prale. Mais m'a quitté na bra papa bonji parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.